جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا أنت قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في درة الخريدة بشرح ياقوتة الفريدة في الإسناد المتصل من أول الكتاب إليه بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه ومن تشبه بقبل فهو منهم. وقال: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوج فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج وإن ظللت بقفر أرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج مستمدا من الله العون والتأييد والتوفيق والرشد والتسديد والتحقيق وهو الهادي إلى أقوام طريق وهو حسبي وفوضت أمري إليه إلى آخره. Donc après les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et les prières et salutations sur le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, nous allons continuer alors inshallah dans l'introduction générale de l'auteur ou bien en tout cas ce qu'on pourrait assimiler à une préface de Ad-Durratul Kharida Sharh Yaqutatul Haqiq Yaqutatul Farida. Donc la fois passée nous avons vu comment il a fait son introduction en faisant des louanges envers Allah subhanahu wa ta'ala et des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en mettant en exergue et en évidence la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en tant que réalité mohammedienne mais également la grandeur du pourcaché en tant que réalité ahmedienne, donc le secret même de la réalité mohammedienne sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous avons également vu ce qui l'a poussé, c'est-à-dire l'objectif de la rédaction de ce livre. Quand il a parlé de d'un des frères parmi les purs, les véridiques et les sincères dans son cheminement envers Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce dernier lui avait demandé de rédiger un livre pour commenter, pour expliquer, expliciter l'origine, même l'étymologie des mots qu'il a utilisés dans son poème, mais également pour expliquer et commenter également en détail le sens et les significations intellectuelles de ce qu'il a de ce qui contenu du contenu du livre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a dit donc que quand ce poème Al-Yaqutatul Farida a émané de la puissance divine
de la puissance singulière et de l'assistance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à partir de ce moment-là que donc ce frère-là, parmi les bienheureux, parmi l'élite de l'élite, nous a demandé de rédiger ce livre. Et donc, après avoir fait donc la salat istikhara et avoir fait la istikhara, c'est-à-dire la consultation également envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi envers des personnes de grande renommée, donc nous lui avons répondu et pour satisfaire sa demande. Et donc voilà, il a continué donc ses propos en disant qu'il n'est pas lui-même, il ne se sent pas capable et assez élevé spirituellement, mais aussi sur le plan de la connaissance des bagages voilà, pour pouvoir rédiger un livre de cette ampleur et de cette envergure. Mais il se dit que bon, mais comme il a donc rapporté le livre, le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da 'usrin yusra. Donc c'est le livre sourate Talaq verset 7 où Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a rétréci sa subsistance, et ben on lui donc demande tout simplement de dépenser selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et que Allah subhanahu wa ta'ala n'exige à personne et ne responsabilise à personne, à aucune âme que selon ce qu'il lui a donné. Voilà. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera apparaître après les difficultés une facilité. Et donc c'est à cause de ça, donc c'est ce verset là donc lui il l'a ramené, pas pour parler des subsistances matérielles, mais des subsistances au niveau de sa connaissance, voilà, de son bagage intellectuel, mais aussi spirituel, permettant quand même d'écrire un livre de cette ampleur, de cette envergure. Mais ça, cela ne ressort que de sa modestie, voilà, vu lui qui il est, voilà, cela ne ressort que de sa modestie, voilà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons évoqué lors de la première séance, pour parler des convenances et des règles de bienséance, des bonnes manières et des politesses que doit se munir un disciple, un aspirant, un cheminant, un étudiant, il en fait partie. Le fait, la modestie et l'humilité, la modestie et l'humilité en font partie. Et donc lui, voilà, il s'est muni de cette modestie et de cette humilité lui permettant d'accéder aux hautes sphères de la spiritualité, mais aussi de la science et de l'intelligence. Et donc il a aussi parlé il a ramené comment ça s'appelle, le verre, voilà, le verre, dont les savants et les saints ont l'habitude de d'évoquer. C'est fatashabbahu in lam takunu mithlahum in at-tashabbuha bil kiram rabah. Voilà. Donc, essayez de ressembler à ces gens-là, voilà, c'est-à-dire aux grandes figures, si vous n'êtes pas comme eux. Essayez tout de même de les ressembler. Pourquoi ? Il dit parce que « inna tashabbuha bil rijali » bon, donc, dans une version, hein, lui, dans sa version, c'est « bil kirami », donc, des honorables, des nobles, hein, le fait de se ressembler à ces grandes figures, à ces gens de grande facture, de grande pointure, inna tashabbuha bil rijal ou bil kirami, de ces honorables, rabah n'est que bénéfique. Voilà.
il n'y a que qu'un bénéfice sur le fait de vouloir, c'est-à-dire de suivre les pas d'une personne vertueuse et de grande renommée, tant sur le plan spirituel, intellectuel, scientifique et comportemental. Voilà. Et donc, il a évoqué aussi, il a dit « Waman tashabbaha bi khawmin fa huwa minhum ». Il a évoqué cette parole-là, sans préciser que c'est une parole prophétique, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que « Waman tashabbaha bi khawmin fa huwa minhum », c'est un hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma, qui est rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah et d'autres comme l'imam al-Bayhaqi, etc., rahmatullahi ala al-jami'a, et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui essaie de se ressembler a déjà fait partie de vraiment voilà, et donc il dit voilà, il dit donc wa ma, donc il dit rahimallahu, donc il a dit wa rahimallahu man qala, et que Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricordieux envers celui qui avait donné qui avait dit ce vers là et celui qui a dit aussi les vers qui suivants. Il dit donc asiru khalfa rukabin najbi za arajin mu'ammilan jabra ma laqitu min iwaji jabra ma laqitu min iwaji, donc asiru, donc je voyage derrière les chevaliers, les passagers de la de la vertu et de la grandeur, mais avec une paralysie. Donc je suis paralysé en faisant ce voyage avec des gens qui sont très très rapides. Voilà. Mu'ammilan jabra ma laqaytu min iwaji, mais je fais quand même cela. Pourquoi je suis avec ces gens de vertu, de grandeur, voilà, et de bon caractère? C'est parce que Mu'ammilan, tout, c'est un état d'espoir, d'avoir, c'est parce que j'ai l'espoir, Jabrama, de le réparer tout, ma, tout ce qui, c'est, donc le ma, c'est Ismou Mawsoul, le Ghaïra Akel, pour englober, donc pour dire tout ce dont là que j'ai rencontré Min Ewadi comme tortuosité. Voilà, donc tout ce dont j'ai rencontré comme tortuosité, le fait que je suis paralysé par cela, mais le fait d'essayer de voyager avec ces gens-là, ou bien derrière ces gens-là, hein, me permet de ne pas d'accéder et de réparer en tout cas ma paralysie et tout ce dont j'ai rencontré ou j'ai subi comme tortuosité. Di fa in lahaqtu bihim min ba'di ma sabaqu fa kam li rabbis sama'i fin nas min faraji. Donc fa in lahaqtu, si j'accède, donc si je rattrape, voilà, lahaqtu bihim, donc si j'ai parvenu à entrer parmi eux. Donc c'est d'ailleurs l'ahika, voilà, c'est ça l'ahika bi. Donc c'est comme Sayyidina Ismaïl, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Rabbi habli hukman wa alhiqni, voilà, wa alhiqni bis salihin. Donc oh Allah subhanahu wa ta'ala, oh mon Seigneur Rabbi habli hukman, donne-moi donc la sagesse, wa alhiqni bis salihin, et fais-moi atteindre le degré des pieux, des vertueux. Voilà, donc fais-moi entrer parmi dans le cercle des vertueux. Voilà, donc c'est ça l'ahika. Donc il dit donc in lahaqtu bihim, si je parviens à entrer dans le cercle, même ba'dima sabaqu, après qu'ils aient sabaqu, eu une avance sur moi, donc ils sont en avance par rapport à moi, fa kam li rabbis sama, ce ne serait pas étonnant, parce que combien ou combien li rabbis sama, il appartient au Seigneur du ciel, finance parmi les dans les êtres humains, min farajin, combien il détient lui Allah subhanahu wa ta'ala min farajin, comme résolution de problème. Voilà, il y a beaucoup de problèmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a résolu, donc ce n'est pas une ce n'est pas un problème
pour Allah subhanahu wa ta'ala de régler cela et de me faire partie de ces gens-là. Wa in zalaltu bi qafri al-ard munqatan fama ala 'arajin fi dhaka min haraj. Il dit que wa in zalaltu, maintenant si je reste dans l'ombre bi qafri al-ard, c'est-à-dire donc je finalement je suis resté et je suis en retrait par rapport à eux dans le désert, hein, munqatan, donc est coupé par rapport à eux, donc je ne suis pas parvenu à atteindre et à entrer dans leur cercle privilégié, ces gens aussi vertueux et de grandeur spirituelle et intellectuelle importante. Il dit fama ala arajin fi dhaka min haraj, fama ala arajin, il y a sur le paralysé là, ce paralysé moteur, Fizaka, par rapport à cela, il n'a aucun grief. C'est-à-dire qu'il n'a aucun grief à se faire, il n'a aucune plainte à se faire par rapport à tout cela. Il ne peut pas se dire que oui, moi, pourquoi je ne suis pas arrivé à atteindre ces gens-là, etc. Parce que lui-même, au départ, il a un handicap. Il a un handicap dès le départ. Voilà. Donc c'est comme ça aussi qu'il faut raisonner. C'est de cette manière-là qu'il faut raisonner. On peut pas vouloir accéder à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne peut pas cheminer envers Allah subhanahu wa ta'ala en se disant que de toute façon on perd notre temps, on ne va pas y arriver. Non. Il faut toujours essayer et il faut toujours dès le départ se dire que mais nous sommes capables d'arriver, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne et il est capable de me donner ce qu'il a déjà donné à d'autres, aussi talentueux et aussi élevé soit-il. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Hein? Voilà. Il n'y a que lui qui donne. Il n'y a que lui qui par sa générosité infinie et absolue, donne ce qu'il veut, à qui il veut. Voilà. Sans demander compte à personne, comme lui-même il a dit, il l'a rappelé, c'est le premier verset qu'il avait cité. Quand il disait que Allah yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, donc c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas questionné ni interrogé au sujet de ce qu'il fait lui. Voilà. Cependant, les créatures seront interrogées et questionnées au sujet de leurs actes. Voilà. Donc maintenant, au départ, si on a beaucoup d'handicaps, etc., cela ne doit pas nous retenir pour essayer au moins de cheminer envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est capable de nous élever dans les hautes sphères spirituelles les plus sublimes et les plus magnifiques et les plus insaisissables, insondables et spectaculaires. Les plus, voilà. Et nous donner la science la plus magnifique, la plus... la plus grande part de science et la plus grande part d'héritage de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et des grands saints de cette communauté dont c'est Rahmet Tidjani radiyallahu ta'ala anhu arda amabi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout cela. Donc lui il se dit que donc cela c'est pas parce que je suis faible, j'ai un handicap au départ que etc., que je ne veux pas essayer quand même. Voilà, c'est ça, c'est dans cet état d'esprit là que tout étudiant, tout élève, tout cheminant doit avoir. Voilà. Et donc il dit mustamiddan, donc en cherchant l'irrigation et les flux et l'alimentation, voilà, l'alimentation, l'approvisionnement min Allah, de la part d'Allah, donc en lui cherchant, qu'il me donne donc al-auna, l'assistance, wa ta'id, et l'aide, donc qu'il me donne de l'assistance et de l'aide. Voilà. Donc al-aounu c'est l'assistance, plutôt al-yad, al-ta'yid, le mot c'est vient de yad. Yad ça veut dire la main. Donc quand on dit donne-moi là une main sur ça, voilà, donne-moi une main. Voilà, cela ne veut pas dire que je vais prendre ma main là et que je le coupe et je le donne. Non, mais cela signifie aide-moi, viens-moi en aide, voilà, au secours. Voilà. Et donc il dit que je cherche de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala cette aide là, wa tawfiqa, et
la conformité, voilà, la conformité envers la conformité pour que je me sois conforme à toute bonne chose. Warusda est la droite, la droiture ou la rectitude, voilà. Watasdida, oui, watasdida donc warusda la droiture, watasdida la rectitude. En fait, tasdid c'est quelque chose qui est conforme à la place qu'il faut. C'est-à-dire, quand on parle de tasdid, c'est le fait de pouvoir parler, de pouvoir dire et de pouvoir faire les choses au moment où il fallait le faire et dans le lieu où il faut le faire, dans l'endroit où il faut le faire. C'est ça, tasdid. Voilà. Et Wattaktika est l'incarnation de la vérité. L'incarnation de la vérité. Donc je demande tout cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je lui demande de l'assistance, de l'aide, la conformité aux bonnes choses, la rectitude, la droiture et l'incarnation des vérités. Tout en sachant que lui, Allah, Al-Hadi, c'est lui le guide, il a aquami tariq vers. Hein, le chemin le plus droit. Aqwam, c'est le plus droit, le plus. Voilà, donc ça vient de Qama, Qama qui signifie être debout. Voilà. Donc Aqwam Tariq, donc le droit, le chemin le plus droit. Parce que Tariq, c'est chemin. Hein. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, hasbi, nous suffit largement pour toute chose. Et donc, je me dirige, il est envers lui. Et je Fawada, c'est le fait de donner quelqu'un sans aucune réserve. Voilà, donner quelque chose. Donc, je donne mon tout à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en me dirigeant en lui, avec mon tout, Amri, tout, mon tout, voilà, sans aucune réserve. Mushiran est donc en insinuant, donc, ou bien en symbolisant. Donc, dans mes propos, quand je symbolise. L'île Jawahir, c'est-à-dire Al-Jawahir, il veut parler de Jawahir al-Ma'ani, la perle des sens. Donc Jawahir al-Ma'ani qui est le livre le plus connu, le plus célèbre de la tariqa qui en est, voilà. Et c'est le plus fondamental également de la tariqa. On en parlera, Inch'Allah, quand il parlera du chapitre sur l'importance de la tariqa, il va en parler, Inch'Allah, de Jawahir al-Ma'ani. Et dans le jami' d'Ibn al-Mushir radiallahu ta'ala anhu. Et donc, Inch'Allah, on va parler de ces livres-là, Inch'Allah, à cet effet. Et donc, il dit donc que quand je dis, pour résumer, comme j'utilise, en fait, il y a des livres qu'il utilise souvent dans ce livre, voilà, qui sont des références souvent qu'il utilise dans ce livre. Et donc, ces références-là, pour résumer, il ne va pas tout le temps, comme Jawahir al-Ma'ani par exemple. Il l'utilise souvent, il ne va pas venir à chaque fois dire Jawahir al-Ma'ani, dans Jawahir al-Ma'ani, il a dit dans Jawahir al-Ma'ani. Ça va, après, ça va prendre de l'espace dans le livre. Voilà, mine de rien. Parce que on pense que cela ne va pas prendre de l'espace, mais si on regroupe tout, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il dit dans Jawahir al-Ma'ani, on le classe quelque part, on verra que ce sera des pages. Voilà. Donc, maintenant, pour cela, il a utilisé des symboles. Le livre qu'il utilise souvent, les références, il utilise des symboles pour cela. Donc, il dit, pour le Jawahir al-Ma'ani du Surah, l'image que je lui donne, c'est Jim Ha. Donc, quand il écrit dans Jim Ha, il y a Wafi Jim Ha, il veut dire Jawahir al-Ma'ani. Voilà. Donc, il est en train de parler de son syntaxe, de sa forme de. Voilà, de ses terminologies personnelles. Voilà. Hein? Voilà. Donc, comme on dit, la mouchahata fait l'espelah. Il n'y a aucune critique qui peut être par rapport aux terminologies. Voilà. Moi, quand j'écris un livre où je parle, je peux avoir une terminologie, comme par exemple, quand je dis. Souvent, je le dis avec. Et jusqu'à ce que
tous ceux avec qui je traîne, comme on dit, le savent, hein? Tous ceux qui sont en ma compagnie le savent. Par exemple, quand je dis le cheikh bi, le cheikh, je veux dire Cheikh Ahmed Tall. Quand je dis shérif bi, voilà, ça veut dire c'est Sarahoudin. Voilà. Quand je dis serigne bi, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Ou etc. Deux choses comme ça. Voilà. Et il y a beaucoup comme ça. Quand je dis mam, voilà, Al-Hadi Abdelaziz, hein, c'est Cheikh Al-Hadi Abdelaziz, c'est Al-Hadi Abdelaziz, si, radiallahu, le fils de Cheikh Al-Hadi Malik, si. Alors que quand je dis Cheikh Abdelaziz Al-Dabar, là, c'est le Marocain, c'est-à-dire son homonyme, le grand, le plus grand encore. En âge, hein, je veux dire. Voilà. Quand, maintenant, spirituellement, on ne va pas juger. Voilà. Mais en âge, hein. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est des syntaxes, quoi. Voilà. Quand je dis les Wolofs, je veux dire les Sénégalais, tout simplement. Voilà, je dis les Wolofs, alors que je veux dire que les Sénégalais. Voilà. Quand je dis. Kémémer, je veux dire Sénégal, tout ça, voilà, comme on dit Bruxelles pour dire l'Union Européenne. Voilà. Bon, voilà, donc, ça c'est. En fait, c'est parce qu'on ne peut pas me critiquer par rapport à ces syntaxes-là, à ces terminologies. Pourquoi? Parce que moi-même, parce que je suis conforme, je suis. Comment ça s'appelle là? Hein? Non. À chaque fois, j'utilise ce terme pour une chose donnée. Voilà. Donc, je ne change pas les mots. Hein? Constant. Voilà, je suis constant par rapport à cela. Voilà. Et donc, lui aussi, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Donc, il dit, donc, le Jimha, c'est Jawahir Mani. Il dit, Wal Jami'. Hein? Donc, Al Jami', c'est Al Jami', le Maftaraka. Min Durril Urum Al Fa'ida. Min. C'est le titre complet du livre, c'est-à-dire ce qui a rassemblé Al-Jami', c'est ce qui a rassemblé, hein, de tout ce qui. C'est l'union ou le rassemblement de ce qui a. Ou le rassemble, voilà. Le livre rassemble de ce qui s'est dispersé parmi l'or massif, les dourars. C'est donc les joyaux précieux, hein, des sciences qui affluent, ou voilà, qui sont propagées, qui affluent de l'océan du pôle caché. Voilà. Donc, Sayyid Mohamed Nounouchi radiallahu ta'ala anhu l'a écrit, l'a rédigé après le décès de Sayyid al-Harazim radiallahu ta'ala anhu. Et donc, c'est pour cela qu'on voit. On peut dire tout ce qui est dans Jawahir al-Ma'ani se trouve dans Jami' al-Nushri, pas le contraire. Et pourtant, Jawahir al-Ma'ani est le livre le plus important, c'est la base même de la Tijaniya. Et donc, donc il dit Wale Jami', quand je parle de cette Jami', il dit Surat Jim'ain. Donc, quand il utilise, quand il parle de Jami' al-Nushri, Jami' al-Nushri, radiallahu ta'ala anhu, il utilise le symbole Jim Ayn. Et il faut bien retenir ces symboles. Parce que je vais les redemander. Voilà. Quand il parlera de Wedi Jim Ha, dans Jim Ha, je vais demander c'est quoi. Voilà, de quoi s'agit-il. Et là, j'attends que vous me disiez, que vous me dites que c'est Jawahir al-Ma'ani. Et Jim Ayn, c'est Jami Ibn Nusri. Et il dit Wali Rimah. Maintenant, pour le Rimah, donc c'est Rimah Hizb al-Rahim, Ala Hizb al-Rahim, Ala Nuhur Hizb al-Rajim, de Cheikh Omar Foutiou, radiallahu ta'ala anhu. Donc, ce Rimah, c'est les lances, voilà, du groupe de tout miséricordieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, sur les nuques, hein, sur les nuques du groupe du lapidé, c'est-à-dire Shaitan. Et ce livre-là aussi, c'est un livre extrêmement important de c'est Cheikh Omar Foutiou radiallahu ta'ala anhu pour expliquer l'islam de manière générale,
la conception qu'on doit avoir, l'idéologie qu'on doit avoir dans notre pratique religieuse, aussi bien exotérique qu'ésotérique, et maintenant la particulariser et spécifier beaucoup de passages dans ce livre sur la spiritualité. De manière générale, hein, voilà, l'idéologie des spirituels, des soufis, et après, voilà, et progressivement, il a parlé de la tariqa tijaniya. Et donc ce livre-là, Walid Rimah, donc pour le Rimah, des surat, donc je donne le symbole, donc surat, je le symbolise par mim ha, voilà. Donc quand il dit dans Mimha, il y a tel, voilà, tel, c'est-à-dire que les propos là qu'il est en train de rapporter, il l'a soutiré de, hein, de Rimah, de Cheikh Omar radiallahu ta'ala. Il dit Walid Bouhia, et maintenant pour Bouhia, donc c'est Bouhiatul Mustafi de Sayyidi Mohamed Al-Arabi, Al-Arabi Masa'ih radiallahu ta'ala anhu, et c'est lui aussi, il est l'un des très 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 puissants de la tariqa tijaniya, voilà, un des plus grandes figures qui ont jamais existé de la tariqa tijaniya. Sayyidi Al-Arabi Masa'ih, on l'appelle Al-Wali Salih, Sayyidi Al-Arabi Masa'ih, voilà, donc le saint homme vertueux, hein. C'est Al-Sayyidi Al-Arabi Ibn Sa'ih radiallahu ta'ala anhu, qui est à Rabat. Il est donc, il y a là-bas son mausolée qui est là-bas, et il est enterré là-bas aussi, et il est conseillé également, comme Sayyidi Al-Nazifi lui-même radiallahu ta'ala anhu a dit, hein, que c'est son maître qui lui avait conseillé, hein, et d'ailleurs lui-même il le conseillait également. C'est pour cela, à partir de cette génération-là, toutes les saints de la tariqa tijaniya ont l'habitude de recommander, hein, à ceux qui vont à Fès pour faire la ziyara de Sayyid Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu, de faire d'abord un passage à Rabat pour faire la ziyara de Sayyid Al-Arabi Moussaïh radiallahu ta'ala anhu, puis continuer leur voyage vers Fès pour faire la ziyara. Voilà. Et ça, parce que tout simplement, Sayyid Al-Arabi Moussaïh radiallahu ta'ala anhu est une porte, une grande porte dans cette voie tijaniya. Voilà. Et donc celui, son livre donc c'est Bouriatul Mustafid, voilà, et qu'il a voilà, Bouria c'est l'arrivée, voilà, hein, l'arrivée ou non pas l'arrivée mais l'acquisition, voilà, l'acquisition ou le summum de l'acquisition de celui qui cherche, voilà, de celui qui cherche à l'utilité, voilà. C'est donc Bouriatul Mustafid, et ce livre là aussi a fait le charge, le commentaire de Mouniatul Mourid, de voilà, qui est exactement l'acquisition du disciple de Tidjan Ibn Baba radiallahu ta'ala anhu. Voilà, c'est Tidjan Ibn Baba aussi radiallahu ta'ala anhu, aussi est une grande figure de la tariqa, et il a donc rédigé ce livre, ce poème, dont on a parlé dans notre deuxième séance. Voilà, de l'introduction générale du livre, on en a parlé. Voilà, de ce poème-là. Quand on parlait des trois poèmes, de trois grands poèmes, en tout cas, très importants dans la jurisprudence, dans le fiqh, dans l'enseignement de la tariqa tijaniya, dont ce livre, dont son Yaqutatul Farida et Mouniatul Mourid et Fakihatul Tullab. Voilà. Et Mouniatul Mourid aussi est donc le premier poème qui a été rédigé pour enseigner la tariqa tijaniya. Voilà, d'où son importance. Quand Tijan Ibn Baba avait rédigé ce livre, il dit que j'ai voulu le commenter, mais finalement je l'ai laissé parce que, pour espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre à sa disposition un grand commentateur. Voilà. Et c'est pour ça que Sayyid Al-Arabi Moussaïh radiallahu anhu dit que j'espère être ce commentateur dont il faisait allusion, parce qu'il ne l'avait pas dit juste parce qu'il dit que j'espérais, mais il l'avait dit par dévoilement. Voilà.
Et donc, c'était lui, effectivement, c'était lui. C'est pour cela que quand on parle de Mouniatul Mourid, automatiquement, hein, on pense à Bouyatul Mustafid. Voilà. Comme quand on parle de Sahih al-Bukhari, automatiquement, on pense à Fath al-Bari. Voilà. Quand on parle du Sahih Imam Muslim, rahimahullah, automatiquement, on pense au Sahih que Imam An-Nawawi avait fait, rahmatullah, al-Minhaj. Voilà, Sahih Muslim, Ibn Hajar, rahmatullah, etc. Voilà. Et donc, Bouyatul Mustafid, il dit des sourates, donc avec le symbole, pour lui, voilà, le symbole que je mets pour Bouyatul Mustafid, c'est Rain. Walil Mizab, donc Al-Mizab, c'est Mizab Rahmat Rabbaniya, celui qui l'a écrit, et c'est Sayyidi Abaydata Ash-Shinqiti, radiallahu ta'ala anhu, aussi c'est un grand, un très grand saint, un grand arif billah, voilà, un connaissant accompli de la tariqa Tidjaniya, qui est un Mauritanien, Shinqiti, et qui a écrit ce livre dans la tarbiya, voilà, de la tariqa Tidjaniya. Donc il a explicité comment à travers la tariqa Tidjaniya la tarbiya s'effectue, voilà, et c'est un livre voilà d'une puissance exceptionnelle. Et donc, Mizab, c'est pour ça qu'il dit maintenant pour le Mizab, c'est-à-dire que donc Mizab Rahmat Rabbaniya, il utilise Bissoura, donc je mets le sens de Mim Ba. Donc, quand je fais Mim Ba, les deux lettres là, c'est pour signifier hein, Mizab Rahmat Rabbaniya. Maintenant, voici les livres donc, qu'il a utilisé le plus globalement dans la tariqa, mais il y a un qu'il n'a pas encore cité. Et on va y arriver, Inch'Allah ta'ala. C'est Ifadat al-Ahmadiyya où il a mis Dal. Mais on le verra, Inch'Allah. Et donc, voilà, pour Ifadat al-Ahmadiyya, il met Dal. Apparemment, dans l'édition, ce n'est pas noté. Non, voilà. Et donc, Walil Jami'a, donc pour Jami'a, Walil Jami'a al-Saghir, donc Jami'a al-Saghir, c'est un livre également de l'imam As-Suyuti, rahmahullah, qu'il avait rédigé qu'il avait rédigé dans le domaine du Sahih, et donc il l'appelait Jami'a, c'est-à-dire le rassembleur, le livre qui a regroupé, voilà, les hadiths, mais courtes, voilà, les courtes hadiths, des courtes hadiths. Donc c'est plus de 10 000 hadiths qui sont dedans. Alors, Jami' al-Saghir, c'est un livre excellent parce qu'il apporte ça, le hadith, en parlant aussi, en faisant des signes également, des symboles, pour dire que voilà, que c'est rapporté par tel et tel et tel et tel et tel. Et tel, et tel, voilà. Donc, pour le Jami' al-Saghir, il met le sourate Jim Fat. Voilà, donc le symbole, pour le symboliser, il fait Jim Sad. Wali Zahab al-Ibriz. Donc ça, c'est un des noms, Zahab al-Ibriz. Mais sinon, le nom le plus célèbre, c'est Al-Ibriz min Kalami Sayyidi Abdelaziz. Voilà, et donc c'est un livre aussi excellent, un livre puissant, un livre très important dans la spiritualité, dans la compréhension de beaucoup de choses. Dans la spiritualité, c'est un des livres les plus importants et que tout soufi, en tout cas tout cheminant, doit avoir lu au moins une fois dans sa vie. Voilà, c'est un livre d'une importance capitale. Voilà, d'une importance capitale. Voilà, et tous ceux qui sont venus derrière lui, parce que lui, il est apparu environ au 11e siècle, donc pas au 12e, mais au 11e siècle. Hein? Et donc, c'est son disciple qui était un très grand savant de son époque, et qui était dans Karawiyin, il enseignait là-bas à Fès, qui est Ahmed ibn Mubarak al-Lamfi, radiallahu ta'ala anhu, un très grand savant. Et qui a rencontré un illettré, voilà, mais qui est un très grand saint, le poule de son époque. Voilà. Cheikh Abdelaziz Abdabakh, radiallahu ta'ala anhu. Voilà. Donc, c'est lui qui est. Il est venu avant Sidi Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala, mais beaucoup.
de ses paroles et de ses propos font référence après lui, c'est-à-dire donc après sa génération. Et ce grand maître-là, Cheikh Abdas Dabbah radiallahu ta'ala anhu, souvent il y a des propos qui sont racontés par-ci par-là, mais Sidi Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala anhu avait l'habitude de donner ses propos comme référence et souvent quand lui, comme par exemple quand on lui a posé la question à propos de cette lettre Unzil al-Qur'an ala sab'ati ahruf, nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le Coran a été descendu, a été révélé en sept lettres, voilà, donc selon cette caractéristique, voilà, plutôt pour, au lieu de dire lettre, caractéristique. Et quand on a posé la question à Sheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu, il a dit que c'est ce que Cheikh Abdas Dabbah radhiyallahu anhu a dit, c'est ça la vérité, voilà. Pour expliciter, et c'est avant lui, personne, strictement personne, n'avait commenté ce hadith et n'avait donné la bonne réponse à ce hadith pour expliciter cette caractéristique. Voilà, et avec une explication et en renvoyant tout dans les sept formes de lecture également. Et voilà, etc. Donc, il y a. C'est un saint, un personnage, un connaissant accompli d'une ouverture illuminative exceptionnelle. Voilà. Radiallahu ta'ala anhu. Donc, pour lui, donc ce livre-là, ça veut dire Ibriz, où on a rapporté, donc, Cheikh Abdas Dabbah radhiyallahu anhu n'a pas rédigé ce livre, parce qu'il était illettré, donc il n'a pas les capacités, on va dire, entre guillemets, intellectuelles, de rédiger un tel livre, un livre, hein. Mais ce sont disciples qui est un très grand savant, oui, probablement même le plus grand savant de toute Fès de son époque, et qui avait rédigé ce livre-là. Pour lui, et voilà, et qui l'a rencontré et qui était son disciple. Qu'Allah lui accorde la meilleure des récompenses, parce que lui aussi, s'il n'avait pas, en rencontrant un homme de cette pointure, pouvait tout simplement ne pas nous rapporter fidèlement et de manière claire à nos esprits. Hein, ce qu'il a pris et ce qu'il a enseigné, ce qu'il a appris de lui. Et souvent il dit que moi je n'ai rapporté que ce qui est rapportable, ce qu'on peut écrire, voilà, ce qu'on peut transcrire, voilà. Mais sinon il y a beaucoup de choses dont j'ai omis, voilà. Voilà. Et il dit donc Walil Ihya, et maintenant pour Ihya, c'est-à-dire Ihya Ulumuddin, de l'imam al-Ghazali, donc la réunification des sciences religieuses. C'est un livre également qui est maintenant traduit intégralement en français. Hein? Voilà, Ibriz n'a pas été traduit en français. Hein? Il y a que des passages qui ont été traduits. Mais c'est un livre aussi. Bon, même cette traduction-là est bonne. Hein? Et donne quand même un aperçu assez important du contenu de ce livre. Voilà. Et maintenant, Ihya Ulumuddin a été traduit en français. Voilà. Et donc, c'est un livre aussi très, très, très important. Hein? Dont l'imam As-Subki, Tajuddin As-Subki, rahmahullah, disait que l'épreuve dont vit cette communauté à notre époque, donc à leur époque, est dû au délaissement et l'abandon de Ihya Ulumuddin. Donc c'est un livre qu'on a abandonné, c'est pour cela. Donc c'est un livre qui est d'une importance, qui est très important, hein, Cheikh Ndouba pourrait nous parler davantage de ce livre, parce que lui aussi c'est un autre Imam al-Ghazali, hein. Voilà. Et donc, ce livre-là, Allah subhanahu wa ta'ala y a mis une bénédiction, une baraka exceptionnelle. Parce qu'à l'époque même,
ou il a écrit, c'est-à-dire Imam al-Ghazali rahimahullah a écrit ce livre. Ce livre était déjà célèbre dans presque tous les coins et recoins du monde. Voilà, en tout cas du monde musulman, beaucoup le connaissaient et beaucoup l'apprenaient et l'enseignaient. Et pourtant, c'est un livre de quatre tomes. Et dans chaque tome, il a parlé de choses importantes. En fait, c'est comme s'il avait résumé les sciences religieuses dans ce livre-là. Il les a résumées. Voilà. Al-Ibadat, après Mu'amala, après Mundiyat, après le Muhlikat. Donc, c'est les quatre parties. Donc, les actes cultuels, il les a résumés en un tome. Les actes socioculturels en un tome. Donc, le tome 2. Après Al-Mundiyat, qui sont les choses qui permettent de se sauver. Donc, d'être acquis, d'être pouvoir évoluer spirituellement et d'être admis au paradis. Et donc voilà, là il a parlé de toutes les bonnes vertus hein, qu'on parle, voilà, et de maqamatul yaqin, etc., donc les stations de la certitude, voilà. Et dans l'autre livre, dans l'autre où il parle de Muhlika, il a parlé de ceux qui anéantissent, soit qui provoquent l'anéantissement de l'individu, et le fait qu'il soit admis en enfer, etc. Donc il a voilà des vices quoi, de manière générale. Donc c'est un livre très important et il a écrit un autre, donc un cinquième livre. Où il avait, donc comme à l'époque déjà les gens lisaient le livre était enseigné, le livre était connu, c'était répandu, donc il y en a qui l'ont écrit des lettres pour riposter à certains de ses propos, et d'autres ont écrit des lettres aussi pour poser des questions, et maintenant pour répondre à tout cela, il a écrit un autre livre, donc un autre donc qui est rattaché à Ihya' Ulumuddin. Et ce cinquième tome là est souvent édité avec Awarif al-Ma'arif de l'imam As-Sahrawardi rahmahullah, voilà, radiyallahu anhu. Donc c'est voilà, mais maintenant on l'édite en deux ou parfois même en un volume maintenant, voilà, avec les dernières éditions. Donc avec pour Ihya' Ulumuddin, il divise sourati avec le symbolise par Ha Ya, voilà. Quand il écrit Ha Ya, donc il veut parler de Ihya Ulumuddin. Et maintenant, Walil Madakhal. Al Madakhal, c'est un autre livre de Ibn al-Hajj, rahimahullah. Al Imam Ibn al-Hajj, c'est un grand savant parmi les Malikis, et c'est un maître, un professeur de Al Imam al-Hafiz Ibn al-Hajjar al-Asqalani, rahimahullah. Donc il est très vertueux, mais aussi très centré, voilà. Il est connu pour sa rigueur dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam ibn al-Hajj al-Maliki rahimahullah, donc c'est une référence également chez les Malikis en matière de fiqh. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Al-Madkhal, donc où il montre les dérives également de leur époque hein. Voilà, les bid'a forgés, il a parlé aussi des sunnah à mieux dont il faut vraiment il faut s'accrocher à, voilà, donc il faut vraiment s'accrocher, etc. Donc Al-Madkhal est pour le sourati avec l'image de, donc je le symbolise par Kha Lam, donc Kha Lam c'est Al-Madkhal. Wala Awarif al-Ma'arif, donc c'est Awarif al-Ma'arif, donc on vient de le citer, voilà, de l'imam As-Sahrawardi, donc aussi c'est un livre très important dans la spiritualité, dans le cheminement spirituel également. Il dit, je le symbolise du surati par le symbole Aïn Mim, voilà. Donc quand il dit dans Aïn Mim, il veut parler de Awarif al-Ma'arif. Et
وللشعراني pour Imam Ash-Sha'rani رضي الله تعالى عنه il a beaucoup il n'a pas rapporté qu'un seul livre. Il a rapporté plusieurs livres de Imam Ash-Sha'rani رضي الله عنه. Imam Ash-Sha'rani Imam Abdul Wahhab donc Abdul Mawahid Abdul Wahhab ibn Ahmad Ash-Sha'rani رضي الله تعالى عنه. Il est l'un des plus grandes figures du soufisme de tous les temps. Il a rédigé beaucoup de livres et il a revivifié non seulement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi le cercle de l'ordre des soufis. Parce qu'à son époque, en fait, il avait commencé à voir beaucoup de dérives, parce qu'on le verra, Inch'Allah, que progressivement, après la période des salafs, c'est-à-dire des trois premières générations, il y avait beaucoup de dérives qui avaient commencé à s'installer, les gens commençaient à appartenir dans des tariqas, donc dans des voies soufis, mais beaucoup, il y en a qui étaient véridiques, mais beaucoup étaient des, comme on le dit en wolof, marirendo, c'est-à-dire que, qui sont dans le groupe, comme ça, dans le folklore. Voilà, dans la masse, voilà, Mourinho, dans la masse, exactement. Voilà, ils sont dans la masse, comme ça, là. Et donc, ils ont forgé beaucoup de dérives à cette époque-là. Et donc, au fur et à mesure, les dérives, voilà, il y avait beaucoup de dérives, et les maîtres, les vrais maîtres, commençaient à disparaître petit à petit, et commençaient à se faire rare également. Donc, c'était difficile à cette époque, surtout à son époque à lui, de voir un vrai maître. C'est pour cela qu'il disait souvent qu'il a écrit beaucoup de livres pour dénoncer ces dérives-là. Et pour dire que voilà, maintenant, vous là qui prétendez que vous êtes des maîtres maintenant, il faut que je vous dise une chose. Attendez, arrêtez. Vous ne connaissez pas votre époque. Voilà, vous êtes dans une époque où il n'y a plus cette éducation spirituelle connue dans les époques passées. Voilà. Et arrêtez, parce que vous êtes incapable. Non seulement vous n'avez pas la spiritualité qu'il faut, mais vous êtes incapable. Regardez bien tel maître qui sont, voilà, de vrais maîtres connectés et chevronnés, de grands professeurs dans le domaine de la spiritualité et dans toutes les connaissances de la religion. Et pourtant, ils n'ont produit aucun bon élève après eux. Aucun. Voilà. Et pourtant, ils avaient les plus grandes ouvertures illuminatives, les grandes fatihas, ils ont les plus grandes futuhat. Et pourtant, ils l'ont produit. Pourquoi? Parce que c'est l'époque qui est devenue comme ça. Les gens ne savent plus pourquoi cheminer envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent qu'en cheminant envers Allah, c'est pour après devenir un cheikh et avoir des disciples à son tour. Voilà. Voilà. Ou bien cheminer envers Allah subhanahu wa ta'ala que après pour pouvoir faire certains miracles, certaines prouesses. Hein? Voilà. Donc c'est ça aussi. Donc il faut. Et à cause de ça, maintenant, même les maîtres sont là, mais ils ne peuvent pas produire de bons résultats chez leurs disciples. Voilà. Voilà ce qui le produit. Et donc, l'imam Ash-Sha'rani, radiallahu ta'ala, enseigné, voilà, parle souvent de ces dérives-là, mais aussi il a remis les pendules à l'heure, mais il a expliqué également comment faire pour cheminer. Et il a écrit des livres pour défier tous ceux qui, à son époque, étaient là et étaient dans les dérives, voilà, pour leur montrer qu'en fait, vous n'êtes plus rien. Et il a écrit un livre très 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 intéressant qu'il appelait Al-Akhlaqul Maqbouliya. Donc les livres de Sayyid Ibrahim, les caractères, les bons comportements de Sayyid Ibrahim Al-Maqbouli, radiallahu anhu, et il parlait de ses disciples, c'est-à-dire que les disciples de Sayyid Ibrahim Al-Maqbouli, radiallahu anhu, qui avait vécu à son époque, à lui, et qu'il connaissait, et qui
était ses professeurs à lui. Et donc, ces grandes figures, ces grands maîtres connectés étaient des gens qui avaient des caractères, avaient hérité voilà, des bons caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a écrit ce livre et pour expliquer, pour dire voilà, parmi leurs caractères, il y avait tel, parmi leurs caractères, il y avait telle chose, etc. Il expliquait. Et après, il dit au départ, tous ces caractères-là que j'ai cités dans ce livre-là, si tu te demandes qui les a incarnés à notre époque, je vais te dire que moi j'en suis un. Voilà. Il dit, je ne le dis que pour une chose, pour que tu penses que ce sont des gens qui n'existent plus. Parce que toi, tu es incapable d'incarner ces caractères. C'est pour ça que tu vas penser que ce sont des choses qui n'existent plus. Non. Voilà. Moi, je suis comme ça. Et donc, voilà, il a beaucoup enseigné. Imam Ash-Sha'rani, radhiyallahu ta'alahu, a écrit, a parlé des sciences, des grands saints, des grands connaissants, dans beaucoup de ses livres. Comme dans Tanbihul Rabbi. Dans Tanbihul Rabbi, il a parlé de 12 000 sciences des saints, que seuls les grands saints accomplis peuvent connaître. Voilà. Et il a parlé également de dans Irshad al-Talibin fi Maratib al-Ulama al-Amilina. Également, il a parlé de 411 sciences qu'il a énumérées, et en disant que les titres de ces sciences-là, les titres de ces sciences-là, celui qui n'est pas un grand connaissant accompli ne peut pas les savoir. A fortiori, de savoir le contenu de ces sciences. Et donc, voilà. Et il dit que toutes ces sciences-là sont des sciences de Sayyidina Khadir, alayhi salam. Voilà. Voilà. Et là aussi, au départ, il a remis les pendules à l'heure également. Pour dire que, écoutez, voilà. Arrêtez de se dire que oui, je suis un chef, etc. Parfois, on voit des gens, qui disent que dans toute cette ville-là, Misra, c'est-à-dire le Caire, dans tout le Caire, il n'y a qu'un autre maître qui est un grand maître. Alors que lui-même, les connaissants savent qu'il n'a même pas, ce maître-là n'a même pas le niveau de disciple. Voilà. Mais ce sont des choses qui réapparaissent à notre époque. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de folklore, il y a beaucoup d'apparence. Voilà quoi. Donc, Imam Ash-Sha'rani radhiyallahu anhu est un repère et une référence dans la dans le cheminement spirituel. Et c'est pour cela qu'il a et ses livres sont des corails, sont des perles rares. Voilà. Et c'est pour cela qu'il a rapporté beaucoup de livres de lui. Donc il dit wal Ash-Sha'rani, il dit fil bahr al mawrud wal mawathiq wal uhud. Donc c'est un livre où il a mis beaucoup de contrats ou de pactes d'allégeance que les musulmans ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit directement, soit indirectement. Et il les a regroupés dans ce livre et qu'il a appelé, il dit de sourate, je vais le mettre avec je vais le symboliser quand je l'amène dans ce livre avec sir, avec ça, ya qaf. Ça, ya qaf. Voilà, et pour Imam Ash-Sha'rani aussi, donc de lui, radiallahu anhu. Fil uhud al-Muhammadiyya. Donc, donc c'est un autre livre où il a parlé des pactes du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa communauté. Donc, il a eu du Muhammadiyya, du sourate avec Ghayn Mim. Donc, du sourate avec le symbole de Ghayn Mim. Voilà, également de lui, c'est-à-dire Ash-Sha'rani, Rabbi Al-Anou, fi durar al-ghawas.
Donc, Durar al-Ghawar, ce sont aussi c'est un livre qu'il a écrit où il a c'est comme Al-Ibriz. Durar al-Ghawar, c'est sous le modèle d'Al-Ibriz. Donc, il a parlé, il a questionné son maître, Sayyidi Ali al-Khawas. Sayyidi Ali al-Khawas aussi, il était comme Cheikh Abbas Dabbagh. Ils étaient des poules, ils étaient illettrés, etc. C'est pour cela que les saints disent souvent que Imam Ash'arani radiallahu anhu était un grand savant, en fait. En fait, c'était quelqu'un, c'était un érudit, un grand érudit, dans tous les domaines des sciences exotériques. Et quand il a rencontré son maître, il a rencontré plusieurs maîtres, hein, lui il a eu une chance exceptionnelle. Il a rencontré plusieurs maîtres qui sont maîtres de très grands connectés dans la présence divine. Et Allah, et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a privilégié de les rencontrer presque tous à son époque. Et mais son plus grand maître qu'il a rencontré, c'était cet illettré-là, Sayyidi Ali al-Khawas. Radiallahu anhu. Et donc il l'a questionné sur beaucoup de voilà, il l'a questionné sur beaucoup de sujets. Et Sayyidi Ali al-Khawas radiallahu anhu l'a répondu, l'a donné des réponses aussi comme Cheikh Abdas Dabbagh avait fait, comme Sayyidi Ahmed ibn Mubarak al-Labdi rahimahullah avait fait avec son maître Cheikh Abdas Dabbagh radiallahu anhu. Donc il a écrit Durar al-Khawas, donc c'est un livre de ce genre là. Et donc, quand il dit que quand je le rapporte, du sourate, je le rapporte avec, hein, avec le symbole de Ghaïn, soit. Voilà, même pour lui aussi. Fil Jawahiri Waddura. Donc, il a écrit un livre également qui l'appelle Al Jawahiri Waddura, qui est également dans le même sens que Durar al-Ghawas. Et donc, qui est un livre extrêmement important également dans ce sens-là. Du sourate avec Jim Dal. Donc avec le sens de Jim Dal. Wal Sharnoubi. Donc Asharnoubi, Imam Asharnoubi, rahmahullah, radiyallahu anhu, il a fait le sharh, donc c'est-à-dire sharh, le sharh Ta'iyat Suluk. Donc Ta'iyat Suluk de Ibn Farid, de Sayyidi Omar Ibn Farid, radiyallahu anhu. Sayyidi Omar Ibn Farid également. C'est un grand connaissant qu'on appelait Sultan al-Arifin, le sultan des connaissants, le sultan des Arif. Et donc, son Ta'iyya, donc c'est un qui est un Bahru Tawil, qui est un Tawil, comme c'est dans le même dans le même dans la même métrique et la même façon que Yaqutatul Farida, c'est-à-dire le livre qu'on est en train d'apprendre. Voilà. Et donc dans son chapitre donc c'est Ta'iyya Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala, c'est Ta'iyya là Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala l'aimait beaucoup. Voilà, Sayyid Salah bin aussi, hein, radiyallahu ta'ala, voilà, on voit souvent, voilà, il l'aime beaucoup, hein, et il a fait un charh également de cette Ta'iyya, voilà, Sayyid Salah bin radiyallahu ta'ala, a fait également un charh de cette Ta'iyya. Et donc, ça parle du cheminement absolue, du cheminement spirituel, mais surtout le cheminement des amoureux, voilà, c'est-à-dire que dans le cheminement de l'amour, hein, voilà, de Ahlul Mahabba, des gens de l'amour. Voilà. Donc et donc c'est Ta'iyya, hein, Asharoubi. Donc je dis, il dit que quand j'amène dans ce charte-là, j'amène des propos, je le nomme de sourate Shin Ba. Il dit Walil Qamus, et pour le dictionnaire, donc c'est un Qamus, c'est le dictionnaire de l'imam Fayrouz Abadi, hein, rahimahullah. Vous voyez, Fayrouz Abadi, c'est un Indo-Pakistanais. Voilà, c'est un Indo-Pakistanais. Et c'est lui qui a écrit donc le livre, le dictionnaire de l'arabe. Voilà. Hein? Ouais, voilà, parce que eux, ils sont très forts, même dans plusieurs matières. Bisourat par Sin. Voilà, donc le symbole de Sin. Et ce Qamus-là a été. Donc ce dictionnaire a été commenté de manière très large. En plus de 20 tomes, en tout cas, c'est des dizaines de tomes.
Voilà. Ou bien même, non, est-ce que ça n'a pas atteint les 100 tomes? En tout cas, moi, je l'ai vu, mais pas en format papier, mais en format PDF. Tajul Arous. Tajul Arous de Imam Az-Zabidi. Murtada Az-Zabidi, lui aussi. Voilà, il est de Yémen d'origine. Il est indien, en fait, d'origine. Et il a vécu à Yémen. Voilà, eux aussi. Voilà. Mais lui aussi, c'était. Voilà. Et il a vécu à l'époque de Sirah Mitidjani, radiallahu ta'ala anhu. C'est de Murtada Az-Zabidi. Et voilà, mais il était plus âgé. Il était plus âgé. Mais il a vécu quand même le 12e siècle. Voilà. Et donc, il. Voilà, maintenant il dit. Donc, si nous mouvons, donc le signe qui n'a pas de point. Parce que quand on dit Mouadjama, c'est quand il a un point. Quand une lettre a un point en arabe, on dit Mouadjama. Et quand il n'a pas de point, on dit Mouhmala. Voilà. Il dit. Pourquoi j'utilise ces symboles-là? Il dit Rahbatan par le bon vouloir, par l'aspiration, fil ikhtisar du résumé, pour pouvoir résumer. Wal istibsar et pour pouvoir montrer la voie avec clairvoyance, li oulin nuha pour les gens de l'intelligence, de l'intellect, wal absar et de la clairvoyance. Donc ceux qui ont la clairvoyance et l'intelligence pourront automatiquement savoir que quand je dis Jimha c'est Jawahirul Ma'ani, quand je dis Jim'ain c'est etc. Voilà, c'est Jam et Demi-Suisse. Et pour aussi leur faciliter la tâche, pour leur faciliter la tâche, parce que c'est entre crochets tout le temps, c'est entre crochets. Donc comme c'est entre crochets, ils peuvent dire que ah, cette parole là, pour revenir, ils regardent directement en haut pour dire que ah d'accord. Cela vient de tel livre, etc. Donc c'est plus facile pour eux. Et aussi, c'est pour résumer également. Il dit Wallahu al-Musta'an. Donc c'est Wallah, donc c'est Allah al-Musta'an et celui envers qui on demande de l'aide, de l'assistance. Wa alayhi, c'est sur lui à tout clan qu'on a toute la confiance et qu'on se repose totalement. Fil bati au début, wa fil wal khitam et à la fin, bijahi Sayyid al-Anam, bijahi par la haute considération de Sayyid al-Anam, le seigneur des créatures des humains, c'est alayhi que soit sur lui as-salatu, la prière wa salam et le salut. Et donc voilà, il dit que donc je me réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois. Voilà. Donc tout cela, tout ce que je vais faire, je le ferai en se réfugiant, en demandant protection et en demandant assistance à Allah subhanahu wa ta'ala au début et à la fin. Par la haute considération, hein, le haut degré, la grâce ultime, hein, du Seigneur des créatures, alayhi salatu wassalam, il dit wa sammaytuhu, et je l'ai appelé Abdurratul Kharita ala liyakutatul Kharita. Donc, inshallah, on va s'arrêter là, et que la prochaine fois, inshallah, on continuera dans sur cette lancée. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم لآلب كذرات أصداف لك الفصل حامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد كفيت بإلباس الشريعة سترة حقيقتك الأصفى فسرت مساجد جليسكم قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق حائد.